Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute première vidéo sur iRacing. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la piste de Daytona dans sa version road course 2007 avec cette Ferrari 488 GTE qui est en ce moment même en train de se battre aux 24 heures du Mans pour la victoire en catégorie GTE Pro. J'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver en différé pour cette découverte. Une découverte un petit peu particulière puisqu'on va également en profiter pour instaurer iRacing sur la chaîne en parallèle de cette présentation. Alors vous l'avez vu si vous me suivez sur Facebook et Twitter, vous allez à partir de cette semaine découvrir tous les jours à midi vous aurez une vidéo de l'aventure iRacing. Alors comment ça va se passer? C'est très simple, vous allez suivre ma progression de la première course que vous aurez droit de suivre dès demain 16h jusqu'à à ma progression en classe A avec tout ce que cela comporte. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Parlons tout d'abord de cette bête, la 488, que j'ai donc pu tester lors d'une petite update du jeu, puisque vous le savez, si vous n'êtes pas familier avec iRacing, en fait, lorsque le jeu est off, c'est-à-dire que les serveurs sont désactivés pour une mise à jour ou une update, eh bien, vous avez accès à tout le contenu gratuitement. Généralement, ça dure une petite heure ou deux, mais c'est une bonne occasion. Et bien de tester une voiture avant de l'acquérir, parce qu'il faut savoir que cette voiture, si vous souhaitez l'acquérir dans iRacing, comme toutes les autres, vous coûtera un peu moins de 14 €. On remercie d'ailleurs la taxe Trump au passage, si vous habitez en Europe, pour pouvoir acquérir désormais du contenu d'iRacing. J'ai profité d'une petite promotion aussi, donc j'ai pu prendre un an pour pouvoir vivre avec vous toute cette année, ces différentes saisons, et pouvoir progresser ensemble en vidéo dans les différentes classes. Donc cette voiture est une voiture qui a débuté sa carrière IRL en compétition en janvier 2016, sa première saison. Elle a été déployée aux États-Unis, notamment pendant ses 24 heures de Daytona, mais également depuis en championnat WEC. C'est un moteur V8, évidemment, comme toutes les nouvelles générations. Ce sont des moteurs biturbo. On retrouve également cette motorisation sur la Ford GT ou encore la nouvelle Porsche 911. C'est un moteur de 4 litres, 3,9 litres pour être précis, un bloc en aluminium qui est monté de manière longitudinale à l'arrière, un centre à l'arrière sur cette voiture. Et donc c'est un double turbo, je vous l'ai dit, une boîte 6 vitesses à palette semi-automatique et c'est une propulsion. Bref, la dernière génération des GTE qui fait plaisir sur iRacing. Alors pourquoi l'avoir testé sur cette piste-là? Tout simplement parce que la piste de Daytona regorge de pas mal de techniques différentes de pilotage. Alors on a de l'infield avec la partie intérieure de l'ovale. Et ensuite on a d'autres parties un petit peu plus sympathiques comme la grande ligne droite avec des freinages, des chicanes appuyées et des courbes rapides. Je trouve que c'est un circuit extrêmement complet qui s'y est parfaitement à une voiture comme une GTE. En tout cas, cette Ferrari me donne bien envie de m'y mettre lorsque j'aurai accédé à cette classe C, ce qui est déjà le cas, mais ce que vous allez découvrir tout au long de ces prochaines vidéos. Une voiture qui est très agréable à piloter, on sent vraiment qu'il y a un grip mécanique avant tout, et c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé en testant la Ford GT, parce que j'ai senti la Ford GT beaucoup plus comme un paquebot, comme un bateau, beaucoup plus massif, beaucoup plus à l'américaine, là où cette Ferrari, la belle italienne, était un petit peu plus souple et un peu plus généreuse dans les passages de courbe, etc. Donc elle était un petit peu plus tendre, un peu moins rude, un peu plus joueuse. Voilà, j'espère que ce feedback, cet argumentaire est assez convaincant. Alors évidemment, la question que beaucoup se sont posées avant les 24 heures du Mans disputées la semaine dernière sur iRacing, on salue notamment Partai qui a fait un très bon résultat, notre collègue youtubeur, ainsi que nos amis du Real Championship qui se sont illustrés dans les différents splits. Il est honnête que cette voiture, pour moi, vaut la Ford. C'est-à-dire que dans iRacing, tout est une question d'équipage et de pilotage. Si vous allez vous engager dans la prochaine saison pour faire des courses d'endurance, il y a le Blancpain qui arrive avec les GT3, mais heureusement les GTE ne sont pas autorisés, sinon ça aurait été un petit peu compliqué. Je trouve que pour des courses d'endurance, à choisir entre les deux, personnellement, je me dirigerai plus vers cette Ferrari parce qu'elle convient mieux à mon pilotage. Après, je suis tout à fait conscient que certains pilotes préfèrent la Ford GT et elle est très très jolie déjà, si on veut parler purement esthétiquement. Mais alors une fois qu'on est dans la nuit avec les LED allumés, etc., eh bien ça prend une toute autre dimension. Et c'est là qu'on voit que iRacing a vraiment
un point fort que aucune autre simulation n'a, et maintenant je peux le dire désormais, lorsque je ferai une comparaison entre simulations, je pourrai donner mon avis en prenant en compte iRacing, parce que désormais j'en suis un utilisateur régulier, ça fait une petite semaine maintenant que je l'utilise, donc je peux vous dire que voilà, il y a vraiment une comparaison avec cette simulation qui est une simulation poussée, et le reste des autres jeux, je peux vous le dire, les autres plateformes, sans jamais les dénigrer. Alors je vois venir aussi certains peut-être dans les commentaires, n'ayez pas peur, il n'y aura pas de perte de contenu. On va continuer sur F1 2016, on entamera F1 2017. Il y aura bien sûr toujours la carrière Race Room, la fin de Power Stage que vous allez pouvoir suivre ce week-end. Il y aura encore deux épisodes plus tard. Et enfin, la carrière d'Earth 4. Donc il va y avoir une transition sur la chaîne de contenu. J'espère que ça vous plaira. Le contenu iRacing ne va pas être proposé au détriment du reste du contenu. C'est-à-dire que vous allez toujours pouvoir profiter du reste des séries normalement. Ça m'a demandé un petit peu plus de travail, mais il y a déjà une dizaine de vidéos qui sont prêtes sur l'aventure iRacing. La playlist est déjà disponible, les voitures sont prêtes à partir en piste. On a déjà enregistré pas mal de contenu avec les petits camarades, j'espère que ça vous plaira dans l'esprit des courses en ligne en tout cas, puisque je ne suis pas le seul à m'être engagé. Tous mes petits camarades du WTCS m'ont rejoint dans l'aventure pour essayer de rouler à mes côtés dans cette nouvelle idée d'une équipe avec plusieurs pilotes peut-être. En tout cas, restez attentifs, ça va grandir petit à petit sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous donne rendez-vous lundi à 16h pour la première partie de cette aventure iRacing, la course numéro 0, la toute première que je n'ai jamais faite dans iRacing, puisque j'ai joué à iRacing dans le passé. Mais ça a beaucoup changé, puisque la dernière fois que j'y ai touché, ça devait être aux alentours de 2014-2013. Le jeu a énormément évolué, et surtout le contenu également n'est plus pareil depuis toutes les améliorations qui ont été apportées. Revenons à la Ferrari pendant quelques instants, si vous le voulez bien. Je vais me taire et vous laisser profiter du joli son de ce V8 double turbo qui nous fait quand même regretter l'atmosphérique de la 458 utilisée par le passé dans le WEC.
Voilà donc une petite idée, alors que nous sommes dans notre tour de rentrée, de ce que donne cette Ferrari 488 GTE, un bolide que vous pouvez retrouver donc sur le store iRacing pour la modique somme d'à peu près 14-15 euros selon les budgets et les taxes selon votre pays, parce que ça varie même entre la France et la Belgique. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette découverte, cette toute première vidéo iRacing qui était aussi une présentation de ce que sera iRacing dans un premier temps sur la chaîne. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous motive, j'espère que vous êtes enthousiaste à l'idée de partager avec moi ces courses. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Il y aura beaucoup de contenu sur la chaîne ces derniers jours, il y aura pas mal de choses à tester et j'espère que je pourrai tout vous partager dans les temps. Merci de votre présence et de votre fidélité à cette chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre cibu préféré, et à la prochaine. Salut !